Salut les filles, donc une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui pour parler de nouveau du henné. Donc comment choisir son henné? Donc sachez tout d'abord donc qu'il faut qu'il soit de bonne qualité et faire surtout très 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 très, donc j'insiste sur le très attention à sa composition. Donc vous pouvez trouver du henné partout. Vous pouvez en trouver sur le marché, en pharmacie, en parapharmacie, en herboristerie, en magasin, en supermarché. Vous pouvez vraiment en trouver partout. Mais il y a vraiment des tas de sortes, des tas de marques. On ne sait même plus où donner de la tête parce qu'on ne sait pas vraiment quoi choisir. Donc le henné. Donc peut-être neutre, naturel, châtain, noir, etc. Donc vous avez beaucoup de nuances de couleurs, mais il faut vraiment juger en fonction de la qualité et la composition de ce henné. Tout d'abord, préférez un henné frais, donc qui a été fait il y a peu de temps. Donc sachez d'abord que le henné que vous trouvez donc dans le commerce ou bien en magasin, tout simplement, c'est du henné qui est en boîte. On ne sait même pas de où ça vient, de quand date ça. La mise en poudre des feuilles, on ne sait pas du tout. Donc déjà, ça fait un peu moyen, quoi, je veux dire, pour l'achat d'un henné. Surtout si vous voulez une belle couleur, il faut vraiment privilégier la qualité. Il faut prendre un henné, donc déjà un henné qui est de bonne qualité, a une certaine odeur, une odeur assez forte, assez présente de plantes. Donc si votre henné ne sent pas, c'est vraiment très très bizarre. La poudre je sais pas comment vous expliquer, elle est fraîche, elle est, je sais pas comment vous dire, parce que vous voulez dire de la poudre fraîche. Non, mais on sent que c'est vraiment fait dans l'instant T, entre guillemets, je veux dire, ça date que d'il y a quelques mois, pas plusieurs années. On sait même pas si la poudre elle a pourri dans un sachet ou pas. Donc là, on sait vraiment on sent vraiment l'odeur du vrai henné, quoi. Donc aussi attention à la composition donc de certains hennés, parce que dans le commerce vous allez pouvoir trouver du henné neutre. Du henné neutre, déjà, comment vous expliquer, c'est pas vraiment du henné, parce que le henné, donc c'est des feuilles qui sont broyées, mais le henné neutre est une toute autre plante qui s'appelle le cassia. Donc le cassia déjà n'a rien à voir avec le henné, ça n'a pas la même nomination. Donc c'est considéré comme le henné, c'est nommé henné parce que ça a les qualités justement du henné. Donc ça gaine, ça donne du volume, de la brillance, de la masse, etc. Mais sachez que le cassia, ce n'est pas du henné, mais dans les mauvaises choses, on l'appelle en mauvais termes henné, mais c'est pas vraiment du henné. Mais sachez que vous pouvez trouver du henné neutre dans le commerce qui contient du Lawsonia inermis. Qu'est-ce que c'est? Donc du Lawsonia inermis, c'est du henné cuivré. Donc cette fois-ci, c'est vraiment du cuivré. Alors méfiez-vous un petit peu de la composition, parce que justement, si vous vous retrouvez avec du Lawsonia et que vous pensez faire un henné neutre, vous allez vous retrouver avec des cheveux cuivrés roux. Donc peut-être pas. Bon, ça dépend après de votre couleur de base. Soit ça va être des reflets, ou soit la couleur va être assez présente. Donc faites vraiment très attention que ce ne soit que du cassia. De même pour du henné blond. Dans certains hennés blonds, on trouve aussi du Lawsonia inermis. Donc bien regarder la composition avant d'acheter, surtout. Donc je déconseille fortement quand même l'achat du henné de commerce, de parapharmacie, de pharmacie et compagnie. De même sur le marché, parce qu'on ne sait pas vraiment. Même en herboristerie, j'ai déjà constaté que j'ai déjà posé une question et la femme ne savait pas me répondre de où le henné sortait, ni la marque, ni quoi que ce soit. Et je ne savais pas justement si celui-ci contenait donc des sels métalliques. Donc les sels métalliques, c'est pas très très bon pour le cuir chevelu. C'est aussi appelé sodium picramate. Le sodium picramate donc a tendance à assécher le cuir chevelu et peut provoquer également des réactions allergiques, des démangeaisons. Donc prenez un henné donc 100% naturel. Donc de même, ne vous fiez pas au henné que vous pouvez trouver facilement dans le commerce, dans la pharmacie, etc. Je reparle de ça. Privilégier un henné de bonne qualité qui a été déjà testé par de nombreuses personnes, qui a été approuvé aussi par de nombreuses personnes. Donc bon, je vais pas vous refaire un débat là-dessus. Les marques que je vous recommande vivement, je vais y arriver, c'est Aromazone tout simplement, Centifolia, Henné Indigo et compagnie. C'est vraiment les marques au top du top, parce que c'est vraiment des hennés qui sont frais, de qualité. Après, la qualité augmente en fonction également du prix et de la provenance de ce henné. Donc après, c'est à vous de voir en fonction de votre budget. Mais pour commencer, le henné d'Aromazone est vraiment pas cher et très simple, très facile d'accès, d'utilisation. Donc pour commencer, vous pouvez très bien commencer donc à commander chez Aromazone.
Donc voilà au sujet du henné, donc faites vraiment très attention quant à son choix, parce que il faut pas tout de suite voir au moins cher et à la facilité le fait que de se dire par exemple de je fais mes courses, ah oh, tiens une boîte de henné, vous prenez la boîte de henné, et au final c'est pas du bon henné. Donc vaut mieux partir sur quelque chose que vous connaissez qu'une marque, vous allez venir me dire bah tu connais la marque là? Non, pas du tout. Tu connais la marque là? Non. Après, je vous demande aussi la composition, vous savez pas me dire, donc bah moi je peux pas trop vous aider parce que bah je suis pas devin, je suis pas dans la boîte, je suis pas celui qui commercialise les marques de henné, donc je peux pas vous dire exactement si ce henné est bon ou mauvais. Tout simplement parce que bah moi j'ai utilisé des marques connues, donc celles que je vous ai citées. Pas toutes, mais une bonne partie de. Deux marques sur trois, tout simplement. J'ai pas encore testé les aînés de chez Aîné Indigo et compagnie, mais ça ne devrait pas tarder. Donc j'espère vous avoir éclairci donc sur ce point, sur ce sujet, parce que c'est vraiment quelque chose de très très important. Surtout vous vous posez énormément de questions sur le aîné, donc que ce soit sur son utilisation, rinçage, préparation, le choix, la couleur, etc. Mais vraiment privilégier la qualité. Au lieu d'avoir la facilité d'acheter tout de suite du henné et au final avoir quelque chose de mauvais. Donc je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté. Donc j'espère que ce speech sur le henné vous aura servi un petit peu à vous aider et vous permettre de choisir quelque chose de bon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt les filles. Salut!